Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 du WT de Crash Bandicoot 3. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour donc, la suite de la première Warp Room, sachant que dans le premier épisode on avait pu prendre un peu connaissance de l'environnement et des premiers niveaux de cette première Warp Room. Et donc aujourd'hui on va laisser Crash de côté un instant, le temps d'effectuer des niveaux avec donc Coco qui est sa sœur. Oka, Oka, et quand est-ce vouloir Tini trouver Christo et les ramener à Grand Colisée de Rome? Crash les laisser à Tini ou moi écraser Crash! Mais bon, bah sur ces bien belles menaces constructives et argumentées du premier boss, on va pouvoir attaquer ce niveau. Donc, une nouveauté dans ce volet de Crash Bandicoot réside dans le fait de pouvoir diriger et contrôler donc Coco qui est sa sœur. Et dans ce niveau, on va chevaucher un petit tigre sur une muraille de Chine relativement abîmée et délabrée. Mais du point de vue gameplay et concept, on retrouve exactement ce qu'on avait pu voir ensemble dans le WT de Crash Bandicoot 2. Sauf qu'au lieu de chevaucher un petit ourson sur la banquise, on chevauche un petit tigre sur la muraille de Chine. Voilà. Mais sur le concept, on est exactement sur la même chose. Alors je vais contrôler quand même un minimum... les caisses que je récupère. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Allez hop, va dans le trou. Donc, la difficulté principale dans ces niveaux-là, hein, c'est exactement ce qui vient de se passer à l'instant. Ça réside dans le fait de récupérer toutes les caisses afin d'avoir la gemme correspondante. Donc là, je n'avais pas raté de grand-chose. Voilà. Donc là, j'ai bien tout vu. On évite quand même les mobs et tout le bazar qui nous attaque dans tous les sens. Ok, ici on va prendre cette petite trappe ici. Voilà, la petite trappe là. Parfait. Là on a bien eu les deux caisses. Ici il faut qu'on arrive à bien passer au milieu afin d'avoir les quatre. Ok. Là aussi, on esquive. Bon bah malgré le petit fail et la petite caisse de raté au début, là ça se passe plutôt bien. Ici, il faut absolument esquiver le petit bonhomme caché dans sa trappe pour ne pas passer par le haut. Mais plutôt par le bas pour avoir les caisses que je viens de récupérer. Et on se retrouve ainsi avec, voilà, le 51 caisses sur 51. Donc merci le petit tigre, t'as bien bossé. Voilà, on récupère notre gemme et on y va. Petit problème sur l'écran de chargement, c'est original. C'est pas grave. Le plus important, voilà, on récupère notre cristal. Et la gemme qui va avec. Parfait. Alors Crash ne va pas rester longtemps avec nous. Vu qu'on va partir sur le niveau suivant et donc le dernier niveau de la première Warp Room. Avec à nouveau Coco. Donc cette fois-ci dans un environnement nautique. Avec la belle île de Cortex au loin qui nous regarde. Et comme d'habitude, on va se concentrer sur la récupération des caisses. En évitant les mines et tout autre projectile. On n'a pas trop envie de se prendre en pleine tête. Voilà. Parfait. Encore une ici. Ici, il faut qu'on prenne un peu d'élan. Ok, on les a eu, c'est parfait. Alors ici, on va y aller tranquillement. Voilà. Pour ne pas se faire toucher. Le checkpoint qui va bien. Les caisses, c'est parfait aussi. On va reprendre la rampe. Alors ici, il faut passer lorsque le piaf n'est pas sur la caisse. Eh oui, ben oui, une mouette peut vous faire perdre une vie. Ça peut vous toucher, hein. Qu'est-ce que vous croyez ? Allez hop, on récupère ça, le premier cristal, enfin le premier cristal, le cristal du niveau, hein, parce qu'on en a déjà récupéré plusieurs. Ici on prend un peu d'élan. Ici c'est pareil, 1 et 2, on passe et on slalom entre les bombes pour pas se faire toucher. Voilà. Pareil ici, ici on va se mettre dans l'axe pour pouvoir prendre un peu d'élan aussi. Ok, alors on va ralentir un peu
pour ne pas se faire toucher. Il ne doit pas nous manquer beaucoup de caisses. Bon, c'est bon. On prend un peu d'élan, comme d'habitude. Combien de caisses il nous manque? Il nous en manque deux. Et elles sont là, donc c'est parfait. Un et deux. Allez, allons récupérer notre gemme. Et on peut sortir de ce niveau avec, bah tiens, je l'avais pas eu cette là, une nouvelle version de l'écran de chargement, un joli écran bleu, à moitié bleu, hein. Allez, merci Coco, vide tes poches. Bon, c'est parfait. Alors, vous avez vu, toutes les petites pastilles de niveau ont disparu, c'est normal. On s'attaque maintenant au boss. Jolis cristaux, Tini les récupérer dans l'arène des gladiateurs. Bon, bah toujours aussi construit et aussi argumenté. On se retrouve avec donc le premier boss de Crash Bandicoot 3 sous les yeux de Cortex. Boss qu'on avait déjà vu dans Crash Bandicoot 2, donc Tini. Qui n'est pas très compliqué à battre, hein, vous allez le voir. Allez, viens, je t'attends moi. Mais le plus important, c'est surtout qu'il va nous permettre de débloquer le premier pouvoir. Voilà. Donc il suffit de toucher trois fois. C'est pas non plus un combat de longue haleine. Parfait. Allez, on l'évite. On le touche. On attend la prochaine vague des lions. Voilà, tout se passe bien, il n'y a plus qu'à toucher une dernière fois. Voilà qui est fait. Alors le premier pouvoir, le voilà, donc super plat. Pour faire un plat plus puissant, appuie sur croix pour sauter, puis sur rond en haut du saut. Donc on se retrouve en fait avec une charge améliorée. Bravo mes enfants. En battant Tini, vous avez débloqué le portail de la zone temps suivante. Retournez au centre de la chronotornade et enregistrez la partie si vous le souhaitez. Vous verrez ensuite que le portail de la deuxième zone de voyage temporel est maintenant ouverte. Allez l'écran. Ah, écran noir un peu longué là sur le chargement, j'ai eu un peu peur. Bon, nous voilà de retour dans la Warp Room avec donc les 5 petites pastilles de niveau qui sont réapparues. Vous avez une pastille supplémentaire du coup avec le boss qui vous permet de le rebattre quand vous le voulez. Concernant le pouvoir, le voilà, ça nous permet d'effectuer une supercharge au sol et notamment de casser les caisses métallisées. Et donc nous voilà ici avec les 5 nouveaux niveaux, donc la nouvelle Warp Room avec un premier niveau et un environnement que l'on connaît déjà. Ici, une petite nouveauté. Ici aussi, Tomb Time, une petite référence à Tomb Raider, et un niveau avec Coco. Voilà, donc bah écoutez, on va attaquer le niveau 6, qui est donc la continuité du niveau 1 de la première Warp Zone qu'on avait vu au premier épisode ensemble. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Quoi? Où étais-je? Oh, Tini était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être un peu plus sympa avec mes hommes la prochaine fois? D'accord. Bon, une demande un peu bizarre, mais pourquoi pas. Allez, on va se concentrer sur le niveau. Voilà. Et la récupération des caisses. Voilà, les trois premières. Le crapaud, on va l'éviter si c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. Ici, on peut utiliser... Enfin, c'est même pas qu'on peut, c'est on doit utiliser donc notre nouveau super pouvoir qui nous permet d'effectuer une grosse charge au sol. Un masque, ça fait toujours du bien. On va éviter le magicien. Voilà, qui se retrouve en caleçon à poids. Tout est logique jusqu'à maintenant. Voilà. Allez hop, on avance. Tiens, ici on va faire une charge.
Voilà, on a quasiment tout cassé hein, quand même. Donc ça fait gagner un petit peu de temps, même si l'objectif premier n'est pas celui-ci, mais plutôt sur les caisses métallisées. Le checkpoint, le crapaud. Ok. Allez. Tout va bien. On réeffectue une charge ici. Alors, une nouvelle caisse. Alors, je sais pas si je vous avais parlé de cette caisse-là lors du premier épisode. Mais ces caisses-là vous permettent d'avoir, ça se voit assez simplement, différents bonus. Une vie, un masque, des wompas ou rien du tout si vous ne tapez pas au bon moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rythme s'accélère au fur et à mesure jusqu'à ce que la caisse se fige. Et une fois que la caisse est figée, non seulement vous n'avez pas de bonus, mais en plus de ça, vous vous retrouvez avec une caisse en moins dans le compteur définitif des caisses qui est juste ici. Donc il faut faire relativement attention à ça, parce que vous avez le temps de choisir votre bonus, mais pas tant que ça non plus, sinon la gemme des caisses vous passera sous le nez. Hein. Donc voilà pour la petite note à ce propos. Allez, on récupère le masque. On enclenche la TNT. Voilà qui est fait. La chèvre. Hop. Alors, un nouveau magicien. Voilà. Parfait. Ici, pour gagner un peu de temps, on va effectuer une charge. C'est plus rapide. Ah, le crapaud sur la TNT, ça t'apprendra le respect. Allez, et puis sur ce joli plan avec le château en fond, direction le niveau bonus. Alors dans ce niveau bonus, il n'est pas très compliqué, il n'y a pas de scoop, mais il y a un moment donné où il y a un tout petit piège où il faut quand même faire un tout petit peu attention. Sinon vous vous retrouvez avec une caisse en moins. Mais rien de très compliqué, ça se voit relativement bien quand même. Donc là pour l'instant, on va déjà récupérer toutes les caisses. Voilà. Allez hop, récupère-moi tout ça. Parfait. Donc ici, la petite caisse, si vous faites le point d'exclamation en premier, vous ne pourrez plus accéder à la caisse. Hein. Donc il suffit de faire ça, de revenir en arrière, d'enclencher ça, et le tour est joué. Donc rien de très compliqué. On récupère les dernières caisses du niveau bonus et on se dirige vers la sortie. Ah, les vies commencent à monter quand même. Hein. C'est plutôt bien ça. Bon, en même temps, Crash Bandicoot n'a jamais été très réputé pour être compliqué au niveau des vies. Hein. On va attendre. Voilà. Hop, salut. La chèvre, tu ne m'intéresses pas. Ici, double chevalier. Donc on va déjà se faire celui-ci et celui-là. Voilà, le cristal qu'on va bien naturellement ne pas laisser en chemin. Et là, ce qui m'intéresse le plus... Alors, on va essayer de faire attention. Voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Voilà. Ce qui nous permet tout simplement d'exploser toutes les nitros afin de récupérer notre gemme des caisses. Allez, direction la sortie. Ah, nouvel écran. Un écran noir, c'est original. J'ai l'impression que les temps de chargement sont de plus en plus bizarres. On est en train de voir toutes les couleurs, là. Enfin bon, le plus important, on a une gemme et un cristal de récupérer. C'est quand même bizarre, ces écrans de chargement, là. Et donc, on va pouvoir sélectionner le niveau suivant. Non, celui-ci, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Celui-là non plus, celui-là non plus. Bon, écoutez, on va faire... On va faire dans la continuité, on va faire ce niveau-là. Ça va nous changer au niveau de l'environnement. Et puis, bah, concernant la gemme jaune, par contre, que l'on peut récupérer, on pourra voir ça plus tard seulement. On pourra pas voir ça tout de suite. Et puis, bon, vu les habits de Crash Bandicoot, c'est pas comme si j'étais habillé pour l'hiver. Donc, ça peut encore aller. Hein. Allez, toi. Mets les voiles. Ici. Voilà, pas trop compliqué. Tiens, ton tapis volant, tu veux pas me le donner? Non? Ok, pas cool. Oh là! Allez, viens par là.
Non mais... Alors, un petit système de grillage, de grille, comme on a pu voir dans Crash Bandicoot 2. Toi, voilà. Notre premier checkpoint, ça va nous faire du bien, ça. Toi, balayette, voilà. Simple mais efficace. Oh! Dis donc, avec ces espèces de notion de premier plan, là, j'ai failli me faire toucher, quand même. Alors, ici, est-ce que j'ai cassé la caisse? Oui. Il y a une caisse tout en haut. Et si on est un tout petit peu décalé sur le sur l'espèce de tapis pour sauter, on la rate complètement. Toi, je l'ai viré à l'autre bout du niveau. Voilà. Avec la petite musique derrière qui va bien. Ok, bon, phew. Le scorpion, on va le laisser passer. On va déjà récupérer ça. Vas-y, vas-y, fais ta vie, vas-y tranquillement. Oula, on va se dépêcher. Voilà. On se dépêche avant que la caisse se retrouve figée, parce que ça nous ferait une caisse de moins. On serait plutôt mal à la fin du niveau. Hein. Voilà. Ah, le cristal. Parfait, ça. Allez, voilà, récupère le cristal. Mets-le dans ta poche alors qu'il fait ta taille, hein. Bon, allez, le niveau bonus. Oh là, oh là, oh là, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas. Voilà, c'est la même chose ici. On récupère la vie. Alors, jusque là, tout va bien. Ici. Ok. Alors ici, il nous faut une TNT obligatoirement, sinon vous êtes bloqué. Voilà. Au niveau de cette caisse-là, si vous sautez au moment où il y a le bonus, vous ne pourrez pas enclencher la caisse qui est juste en dessous. Donc il faut quand même faire attention à ce petit truc-là, parce qu'on peut vite se retrouver quand même un peu comme un con. Mais là, c'est plutôt bien passé. Voilà. Allez, on remonte sur la grille. Bon, ici, on va sauter directement. On va pas non plus tricoter. Ok, allez. Je le sens pas des masses, celui-ci. Si, ça va passer. Voilà. Alors, ici, on va pour passer, on va attendre qu'il soit... en train de redescendre, comme ceci. Voilà. Ouh, ça va être compliqué, ça. Voilà, je m'en doutais, c'est pas grave. De toute manière, il me fallait la caisse. Ah, forcément, j'enchaîne les conneries, je ne suis pas passé au bon moment. Et tiens, regardez là-bas, au second plan. On voit la petite gemme jaune là-bas, histoire de vous narguer un tout petit peu. Sauf qu'on ne pourra pas la récupérer de suite. Donc pour l'instant on va pas se stresser avec. Cependant on la voit quand même bien derrière dans le fond. Histoire de vous rappeler que vous avez quelque chose à faire. Mais on verra ça plus tard. On récupère. Est-ce que j'ai toutes les caisses? J'ai toutes les caisses, parfait. Toi. Merci, au revoir. La gemme. Bon, voilà. Ah, une nouvelle couleur, je sais plus si on l'a eu ou pas cette couleur là, je me rappelle plus. Vraiment bizarre les écrans de chargement là pour le coup. Allez, on récupère un cristal, une gemme, donc c'est parfait, ça nous permet de bien avancer. Comme je vous l'ai dit concernant la gemme jaune, même si on a été un petit peu nargué en fin de niveau, on verra ça plus tard, on ne peut pas la récupérer pour le moment. Et puis écoutez, hein, là on a déjà fait les deux premiers niveaux de la deuxième Warp Room, donc concernant les autres niveaux, eh ben on se donnera rendez-vous dans un prochain épisode du WT. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, on a relativement bien avancé. Si tout se passe bien, on devrait terminer cette deuxième Warp Room dans l'épisode 3 du coup du WT.
D'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. De la même manière, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les actualités et les autres séries en cours ou terminées. Je vous dis à très bientôt sur cette petite magnifique danse de Crash Bandicoot. Salut tout le monde! Ciao ciao!